Bah, premièrement, félicitations à l'Afrique du Sud. Ils ont joué le match qu'il fallait jouer face à nous. Nous, pour gagner ce match, il aurait fallu peut-être plus d'intensité en première mi-temps, plus d'efficacité aussi sur les situations qu'on a. À ce niveau-là, le peu d'occasions qu'on a, il faut en profiter. On ne l'a pas fait. C'est une compétition qui est compliquée pour tout le monde. Il y a eu beaucoup de surprises. On a eu des blessés, on a eu beaucoup d'absents. On s'est adapté. Il y a des jeunes qui sont rentrés. Et on aurait pu attendre mieux d'eux et de moi. Mais aujourd'hui, c'est l'échec du coach, pas des joueurs. Les joueurs, ils vont apprendre, surtout les jeunes. Je porte la responsabilité, bien sûr, de cet échec. Je ne suis pas quelqu'un qui se cache sur mes choix de jeu, sur mes choix de joueurs. Moi, je n'ai rien à reprocher à mes joueurs. Ils m'ont suivi, ils ont donné le maximum. Dommage, parce que je sentais qu'on pouvait être capable de ramener cette coupe à la maison. كنتي قلتي لنا اي نتيجه من غير نهائيه فشل وانك غادي تغادر المنتخب الوطني واش مازال غنشوف وليد الركراكي على راس الاداره التقنيه للمنتخب ما دابا انا عشو نسى rien de tirer des اللي قلت لك من الاول je prends la responsabilité وكلمه ديالي كتعرفوها دونك غنجلسوا مع الرئيس مع الجميع غنشوفوا اللي احسن للمغرب هذه اللي مهمه ماشي واحد اللي شي واحد اللي غيتتبع قلت لكم فوالا يا دي او يا دي با dans les sélections اليوم تفاقش يا الدراري بعدا حتى ولي عندهم. C'était difficile, une compétition difficile pour tout le monde. On a échoué, donc je prends la responsabilité. À ce moment-là, on prendra la meilleure décision pour le Maroc.